Autre exemple plus frappant, celui de Singapour, ce petit état voisin de la Malaisie. Singapour est tellement petite qu'on la surnomme cité-état. En effet, Singapour n'a que 700 km², donc 200 km² gagnés sur la mer. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce petit reportage, c'est comment l'ancien Premier ministre, M. Lee Kuan Yew, a réussi à transformer l'île de Singapour en un des centres économiques les plus importants d'Asie du Sud-Est. Et comment il a fait passer le revenu par habitant de $400 par an à environ $40 000, soit une augmentation de plus 10 000%. Alors qu'en Afrique, pendant cette même période, le revenu par habitant a baissé d'un tiers. Pire, en Côte d'Ivoire, le nombre de pauvres est passé de 10% à 50% de la population, et cela en 10 ans, soit un accroissement de pauvres de plus de 500% en 10 ans. 709 000, c'est le nombre de chômeurs que compte désormais la Tunisie. Des chômeurs qui représentent 18% de la population active et qui se distinguent en deux catégories. D'un côté, les non-diplômés, avec 488 000 chômeurs, ils sont les plus nombreux. De l'autre, 221 000 diplômés sont toujours en recherche d'emploi. Pour répondre à la demande, le gouvernement de Hamadi Jebali mise sur l'employabilité. Il s'agit d'un package de mesures urgentes qui prévoit la création de 75 000 emplois, dont 25 000 dans la fonction publique, et l'élargissement du nombre des bénéficiaires des programmes d'emploi. L'objectif de ces programmes, embaucher quelques 100 000 personnes. Pour répartir cette main-d'œuvre, le gouvernement vise plusieurs secteurs en particulier. Ainsi, l'agriculture et la pêche devraient créer 5 700 postes, les industries manufacturières 10 600 et la construction 11 400. 7 000 postes devraient par ailleurs être absorbés par le secteur touristique et 14 000 par les autres services. Mais la tâche risque de ne pas être aisée. Alors qu'elle occupe 16% de la population active, l'agriculture n'attire pas les jeunes chômeurs et manque de bras. Le secteur pourrait embaucher 500 000 saisonniers et 100 000 travailleurs réguliers chaque année. En attendant, déçus par le manque d'opportunités qu'on leur propose, les sans-emploi grossissent les rangs des mécontents. La solution viendrait-elle de la Libye voisine ? Tripoli a clairement affiché sa volonté de recruter des travailleurs tunisiens pour l'aider dans sa reconstruction. Le 18 mai dernier, Mustapha El-Rahbani, le ministre libyen de l'Emploi, leur a proposé 3000 postes de travail dans divers secteurs privés. La Libye aurait par ailleurs besoin de 5000 cadres et techniciens. D'après un rapport de la Banque africaine de développement publié fin avril, le marché du travail en Libye pourrait absorber entre 200 000 et 500 000 ouvriers tunisiens au cours des deux prochaines années. Mais pour y parvenir, il faudra d'abord développer le secteur bancaire, harmoniser les procédures de paiement et renforcer les réseaux de transport entre les deux pays. ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام واختلط في ذهني وفكر الكلام يا أبي خبرني يا أبي خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة والسياسة انت ظل لو زال شعبك تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك المهم تظل وتظل الكراسي والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى
فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي وما يهمه في المظالم والمآسي والسياسة وهام في فكر السياسي يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة